Ça va, merci. Ça va bien, merci. Mm-hmm. Ça va, ça va vraiment de me rencontrer. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci, merci bien, merci. Merci bien, merci. Ça va bien, ça va, alhamdoulilah. On s'est déjà salué tout à l'heure là-bas. Ça, il est venu chez nous. Merci, merci bien. Merci beaucoup, merci, madame Gako. Merci. Ça va, oui, oui, oui. Ça va, ça va. Oui, ça va. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Moi aussi, je me sens à la fois très fière et honorée de me retrouver ici. Je voudrais vraiment saluer et remercier votre disponibilité, voilà, votre leadership et le travail fabuleux que vous faites dans le domaine de la santé à l'endroit des femmes. C'est pour moi aussi un grand honneur de me retrouver ici. Et merci, merci pour votre disponibilité. C'est avec un grand honneur que nous recevons aujourd'hui au ministère de la Santé et de la Sociale, avec donc l'ensemble des collaborateurs, la vie également dans le thème de référence. Pour nous dire aujourd'hui que la Kalimba avait un accent particulier sur les couches vulnérables. On connaît aujourd'hui chez nous, c'est les femmes. Également des femmes anciennes, des femmes en âge de production, mais également des enfants. Nous avons toutes les expertises, nous avons les compétences, mais nous devons atteindre des cibles. Et pour ces cibles-là, il faut des canaux spécifiques et des actes théoriques d'une part importante. Nous avons avec Mme Colassin, qui est notre chargée de communication. Et vous avez également, là, comme toujours, Mme Assiette, tous les chien. Et la Mamoudi, qui est dans le dispositif de la CIMA. Et notre grand communicateur, qui est notre frère, mais notre oncle, vous le connaissez bien, ça le fait là, qui est là. Donc, qui nous accompagne en tout cas dans toutes les activités de sensibilisation, de communication, mais surtout de promotion de la santé. Nous sortons d'une grande rencontre la journée de l'Octobre contre le Paludisme. Aujourd'hui, qui peut distribuer les disciplines? C'est les jeunes, ce sont les artistes. Qui peut se sensibiliser pour que dès qu'on a de la fièvre, ou bien quand on est particulier, le recours précoce. Aller à l'hôpital dans la suite de santé, c'est bien. Mais il y a les enfants également. C'est important pour ne pas aller à des complications. Et exceptionnellement également, je pense que tout le monde a ce pays est homogame. Comme on a le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Vous faites notre fierté. Voilà, par votre courage, c'est par votre détermination, votre engagement. Il disait que quand vous voyez comment Gabo chante, vous voyez qu'il met toute son énergie. Et en tout cas, vous ne nous avez jamais laissé un peu là. Et nous prions le bon Dieu pour nous mettre très sacré. Quand nous sommes dans le temps. Voilà. Et je pense que pour chaque obstacle, ce qui est important, c'est la détermination, l'engagement que vous avez pour surmonter cet obstacle. Il y a un problème parce qu'il y a une solution. Et la solution aujourd'hui, c'est cette très bonne santé. Il y a un peu de temps, le coup de gueule, pour le pays, 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 mais si c'est une force, c'est Sénégalais qui est au pays. Sénégalais, pour jouer le pays, mais il peut y avoir des milliers de millions. Ci nek ci solution et ya la xamna ni dina def ni nga xamantene ni ko ko ya moy nga tel soit ak force et l'équipe reste déterminée avec moi pour vous accompagner parce que quand on lit tout ce que vous êtes en train de faire, j'ai dit que vous n'êtes pas pour vous-même, la diva
la réalité de la marche à la commune de la travail pour le secteur de la santé sociale. Merci beaucoup et de le présenter davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et Madame la Ministre, mes chères sœurs, je voudrais avant tout vous remercier. Remercier pour votre disponibilité. Remercier pour votre gentillesse. Et surtout votre simplicité, et vous remercier pour votre ouverture d'esprit, mais aussi d'avoir donné votre temps pour accepter cette rencontre aujourd'hui. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer vos collaboratrices et collaborateurs et les remercier aussi de leur disponibilité. Pour vous marquer tout mon engagement à travailler à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions faire le génie. C'est toujours pour moi, à la fois un immense pouvoir et une grande fierté de participer au domaine, aux activités qui font avancer la société d'une manière générale et la société africaine en particulier, mais sénégalaise surtout, puisque avant tout je suis sénégalaise. Citoyenne engagée, et je pense que la pierre à l'édifice pour le développement du Sénégal, c'est à chacun d'entre nous de la porter, de la poser pour qu'il puisse faire progresser le pays. Je voudrais vraiment saisir aussi cette opportunité pour féliciter pour le travail fabuleux que vous avez eu à faire lors de l'organisation du coronavirus. Tout le monde a vu votre engagement, votre dévotion aux côtés de la population, votre sensibilité pour les aider, pour les écouter, pour les accompagner. Je sais qu'il suffit que la place que vous occupez aujourd'hui n'est pas fortuite, c'est une place déméritée, puisqu'avant tout, le savoir, l'engagement, la dévotion, vous pouvez mettre en votre faveur. Félicitations pour cela. Et Chloé Sida, pour qui je développe beaucoup de programmes sur le VIH aussi, avec UNESCO récemment, avec UNTRA-S dans le cadre de l'espacement de naissance et un autre. Donc, c'est pour dire que j'en trouve naturellement ici chez moi, puisque ces problématiques que j'ai citées sont des problématiques concernées, sont des problématiques qui sont au cœur de vos actions, au cœur de vos interventions tous les jours. Pour le bien-être des populations, en particulier des femmes. Et donc, je me sens naturellement dans mon domaine, dans mon cadre, je veux dire chez moi. Et c'est donc dans ce cadre-là que je voudrais vous rassurer de mon engagement à vos côtés, de ma disponibilité et de toute mon expérience, de mettre à profit toute mon expérience, mon expertise et ma notoriété à vos côtés, d'abord en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'artiste engagée pour mon pays, pour l'Afrique, et enfin en tant que femme, pour vous soutenir dans votre combat et vos convictions de femme. Soyez rassurés de ma disponibilité, de mon engagement. Parce que la santé, vous savez, c'est le développement de l'économie. J'ai ma mère qui me dit quelque chose de très important. Elle me dit souvent, oui, oui, hein, comme le tidom en de Motahamoko. Narnène, les bouvées, les mots en de Goudou, des mieux de Kofayo. Ouais, beau à rouler bien, ça compte comme d'ailleurs. C'est donc raison pour laquelle nous devons faire la promotion de la santé, de la bonne santé, dans tous les domaines, pour que les gens puissent se préserver davantage, que les gens puissent guérir, parce que c'est ça qui va développer l'économie. Si les gens sont bien guéris, si les gens sont bien soignés, si les gens dans tous les domaines sont bien soutenus, bien accompagnés, il y aura naturellement de l'équilibre, de la sérénité, et chacun pourra vaquer convenablement à ses obligations. Pour vraiment profiter, Madame la Ministre, je vous remercie encore, et je profite aussi de cette occasion pour remercier vos directeurs de cabinet, là, pour sa sympathie, sa disponibilité, son engagement. Il a tout fait aussi pour organiser sur vos instructions cette rencontre. Merci, Philippe, pour le bon équilibre de la vie de femme.
avec les fédérés et autres, donc c'est très important. Merci en tout cas à vous tous. Là, je vous remercie et vous témoigne toute mon affection fraternelle, mon engagement sans faille et toute ma loyauté à vos côtés. Merci. 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 Merci, Mme Tonnesse, de nous être présentés pour le préfet et les familles qui ont été en charge. Nous avons bien entendu Mme Poubara, parce que effectivement, on peut constater que le gouvernement du Sénégal ici accorde une importance de premier ordre à la santé de la mère et de l'enfant. L'important de voir le préfet, mais il y a un peu de défi réel en ce qui concerne la santé de la mère, la santé du nouveau-né, la santé de l'enfant, mais surtout la santé des adolescents. Ce que vous avez dit par rapport à la santé des adolescents est une réalité surtout dans des régions, telles que les régions du sud, mais le mal réside encore dans les régions, au sein des régions de Zidane-Chor, Kondassi, Boumadas, Kédougou et Tamasuda. Et nous pensons qu'avec cette activité de sensibilisation, ça pourra contribuer à non seulement diminuer ce fléau. La santé et l'action sociale, mais les gens de fait ici, sont le souffle, sont appuyés, sont exigeants. Là, vous avez vu que vous avez mal à l'endroit, vous avez mis du jour, le truc. Vous voyez, les choses n'ont pas lieu. Vous voulez vous. Vous voulez vous dire. Vous voyez, vous avez tout le travail pour ça. La famille de l'homme, c'est que mon bouillon, mort de Merci.